l'histoire, c'est l'histoire d'Antonin Brecht, qui est un jeune ingénieur en ergonomie, qui a une petite vie un petit peu tranquille avec sa femme. Il travaille dans une petite entreprise avec un de ses amis. Il va être approché par un chasseur de tête qui va lui proposer un poste super intéressant, mais dans une grande entreprise qui s'appelle Magellan, de reprendre la direction ergonomique du département ergonomie, plus exactement. Donc il va accepter, et là ça va être une descente aux enfers pour lui. Ce qui semblait être quelque chose de formidable au départ va se transformer en un véritable cauchemar, et il va tout perdre. Il va perdre sa femme, il va perdre son boulot, il va perdre ses illusions, il va juste réussir in extremis à sauver sa peau. Oui Nora, excusez-moi, c'est moi, je viens de recevoir un mail de Consigny là, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est mon DAC, c'est ça. Comment ça, il sait qu'on s'est planté? Je croyais qu'ils prenaient leur décision que demain, là. Non, ok, c'est bon, excusez-moi, là, à demain. On danse? Allez. Ça va? Ouais. Et avec Sandrine? Ouais, ça va, ouais, pourquoi? Non, je sais pas, elle a l'air un peu déphasée. Non, bah c'est sûr, c'est difficile pour elle. Ce film-là, d'une manière logique, aurait dû se tourner à La Défense. Mais bon, ça a été beaucoup vu. Bercy est un quartier très graphique. C'est ce qui m'intéressait. Et c'est un pari des affaires, et un pari qu'on n'a pas beaucoup vu, ni en télévision, ni au cinéma. Donc en effet, ça m'intéressait de tourner dans ce quartier moderne, qui est quand même en plus très très beau, quoi. Ah bah c'est toi qui reprends le poste de Martin Girard alors. Ah, bah bienvenue dans le grand monde mon vieux. Merci. Tu feras quand même gaffe à tes plaquettes de frein. Hein. Quoi? Bah quoi, t'es pas au courant? Martin Girard s'est mangé un péage sur la 13. Contrôleur de vitesse bloqué à 210. Paf, fin de carrière. Puis attention, hein. 14 blessés graves, 2 morts. Il a pas fait les choses à moitié. Ah non, je savais pas. Frédéric Diefenthal, donc, qui a le rôle principal, voilà. J'aime bien travailler avec lui parce qu'en plus il a vraiment su développer tout un tas de nuances. C'est-à-dire que le Antonin Brecht du départ, avec sa femme, ses amis, etc., n'est pas du tout le même que celui qui va devenir au sein de Magellan et pris dans ces espèces de méandres psychologiques de l'entreprise. Et il y a eu une vraie évolution, et j'ai trouvé qu'il défendait très bien son personnage. Sam Carman, belle rencontre. C'était un comédien que je connais et j'admirais en plus son travail en tant que réalisateur. J'aime beaucoup les films qu'il a fait. Voilà, ça m'a beaucoup intéressé de travailler avec lui. C'est un garçon vraiment talentueux et sympathique. Et puis les deux filles, Gaëla le DVA, donc la petite amie du départ, et puis Hélène de J, donc la manipulatrice, on ne sait pas trop quel rôle elle joue, la belle vénéneuse, quoi, on va dire. Ce qui était intéressant, c'est surtout de pouvoir faire monter l'angoisse. Alors qu'en fait, il n'y avait rien de véritablement angoissant. C'était juste une angoisse de climat, une angoisse de mal-être de la part d'Antonin Brecht. Donc ça, c'était extrêmement intéressant. Bon, en plus, Bercy, pour le coup, étant très graphique, ça m'a permis, j'aime beaucoup l'esthétisme, ça m'a permis de faire des beaux plans avec une belle lumière. Donc c'est Gérard Stérin qui a fait la lumière, c'était ça. Son premier téléfilm, puisque c'est un grand chef opérateur de cinéma. Voilà, il s'est très très bien adapté. Enfin voilà, c'est une bête. Hein. C'est un film très particulier, très cinématographique, un vrai film d'angoisse, un vrai film d'atmosphère, avec des beaux personnages et des belles images.